des voyages nus et culottés filmés. On en a fait des documentaires et on a reçu énormément de retours sur ce que ça produisait chez les gens. Ça nous a beaucoup touchés, ça nous a encouragés à continuer. Et ça nous a donné envie aussi de partager cette passion de la rencontre et du voyage et cette magie du voyage d'une autre manière. Et aujourd'hui, donc, j'en fais un spectacle, une conférence-spectacle basée sur 7 ans de rencontres avec des gens, sur des questions qu'ils nous ont posées, sur des retours qu'ils nous ont faits. On a mis en place cette conférence-spectacle et puis je la fais avec Hélène Fondacci, qui est aussi danseuse et qui me permet de mettre du mouvement là où moi, j'ai pas les mots d'exprimer certaines choses. Donc c'est cette alliance de la danse et du récit de voyage pour témoigner de la magie de ce qu'on peut rencontrer sur la route et finalement ce qu'on peut inviter aussi dans nos vies au quotidien et inviter, insuffler un peu de voyage et d'aventure au quotidien. Avec la vie qu'on mène, avec nos responsabilités familiales, professionnelles, sociales. Voir comment on peut réveiller le potentiel des relations et le potentiel d'aventure. Ici, maintenant, chez nous.